On est à Janet dans le désert du Sahara. On est très très proche de la Libye par contre. On est dans le plus grand désert du monde. Regardez, regardez juste sur l'aéroport. Alors, regardez. Encore une destination de Blackpacker. C'est quoi cette destination de Blackpacker, Mohamed? C'est une destination. L'immensité du désert vous attend. C'est incroyable. Let's go pour le désert. Le désert. Allez, on y va. Il y a beaucoup d'eau. Hein. One, two, three, soleil. Putain, j'ai failli béton. Mahmoud, on y va. Allez, c'est le coucher du soleil. On y va. Incroyable. C'est incroyable. Tu peux être là, le petit oasis, tu pars jusqu'à là-bas. Je ne viens pas, Mahmoud. Hey, les jeunes. Partir avec les Blackpackers, c'est ça, hein. Des conditions parfois d'hygiène très minimalistes, mais c'est, franchement, c'est magnifique. Donc voilà, je te réveille avec un bête de soleil. Qu'est-ce que t'as dit? C'est incroyable de se dire que c'est l'eau qui a creusé tout ça, qui a façonné avec l'érosion des millénaires et des millénaires. Tu veux dire que c'était vert ici? C'est tout vert. C'est la savane. Il y avait des lions, des girafes. Maintenant, regarde le sable là. Il y a du sable. C'est la sécheresse. On a Tidila Hekla. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire ici? C'est les peintures rupestres. Alors, qu'est-ce que c'est que ces peintures? C'est la chasse, les chasseurs. Ça date de quand? C'est la première période. 4000 ans. Avant Jésus-Christ. Ouais. Ça veut dire ça 6000 ans. 6000 ans. Par rapport à aujourd'hui. Ouais. Incroyable, regardez. On est dans le plus grand musée du monde. On a l'habitude de dire que c'est le Louvre, le plus grand musée du monde. Mais ici, on est dans un musée à ciel ouvert. Encore plus grand que le Louvre, parce que c'est tout le désert. On est où, Mahmoud? On est dans le désert, du Tachidiagrat, du Tachnat, du Génat, du Berzé. Hé! Quoi? Hé! Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Hé! Hey! Vous voulez la suite? Appuyez sur le bouton YouTube. Likez, commentez, partagez.